voilà, c'est le... C'est le centre, c'est le centre-ville, c'était le quartier le plus commercial. Ici, c'était principalement des bureaux et des magasins. Il y a une belle mosquée, là, tu vois, complètement détruite. Alors, malgré le fait qu'elle soit tout à fait délabrée, ils la gardent. Enfin, je trouve son minaret assez impressionnant. Comme si... Il lançait un véritable appel au ciel dans sa destruction. Là, maintenant, nous entrons dans la région des grands hôtels. C'est là où il y a eu des bagarres terribles au début de la guerre. Holiday Inn a été le théâtre de batailles féroces. En fait, ce qui était amusant dans cette bataille, c'est qu'on avait brutalement, nous, la population, l'impression que les combats s'arrêtaient. En fait, ce n'était pas du tout les munitions qui manquaient, c'était la drogue. Ils se battaient à coups, tu vois, ils se droguaient avant de se battre. Et puis quand ils n'avaient plus de shit, ils arrêtaient de se battre, ils négociaient à coups d'eau-parleur comme ça, un échange de joie. Et puis ça repartait de plus belle une fois qu'ils avaient de nouveau leur petit stock. Pour ma mère. Elle veut que je filme tout ce que je vois. Samy, tu penses pas que je devrais être plus émue en venant ici? Que je devrais avoir envie de pleurer? Non, c'est tellement loin tout ça. Écoute, il faudrait qu'on se dépêche si on veut, si on veut pas avoir des embouteillages. C'est loin? Je t'ai dit, c'était pas hier. Non, mais je parle du chantier. Tu vois cet immeuble-là, à moitié détruit? C'est là que j'ai décroché mon chantier. Ça va être complètement rasé. Et puis moi, je fais pousser deux immeubles. C'est 15 étages chacun. Et tout au long, on arrange un supermarché sur 75 mètres de long. Et là, on arrive où? Ben là, on est pratiquement à la place des canons, à deux pas de la ligne de démarcation. La ligne verte? Oui. C'est là que mon père a été. Oui. De l'autre côté du terrain vague. Tu veux peut-être qu'on aille voir un peu? Non, pas aujourd'hui. Ce
Barbara a ouvert il y a 6 mois une vieille maison qui a reçu un obus et qu'ils ont transformé. Le Djourjoura, c'est une montagne kabyle en Algérie. Je sais. Le proprio est un ancien fonctionnaire de l'ambassade d'Algérie. Il était attaché commercial. L'année passée, quand son ministère l'a rappelé, il n'a plus voulu rentrer au pays. Il a ouvert ce bar. C'est tout à fait comme un tripot de Barbès, tu vas voir. Oui, qu'est-ce qu'il a? Je le connais. Ouais. Ouais, c'est sûr, c'est lui. Rachid? Tu me reconnais pas? Le restaurant à l'Ambra. La cinémathèque. Vous êtes bien Rachid. Vous êtes bien journaliste. Je suis Laurence. Je comprends rien à ce que vous racontez. Alors Rachid, tu bosses pas à Lyon? Non. Là je vois qu'on déprime sec. Akli, serre-moi une bière. Je l'ai connu à Alger il y a quelques années. Il est journaliste. J'ai passé 10 jours là-bas. Je couvrais les élections municipales. C'était mon premier reportage. Lui il travaillait dans un journal gouvernemental. C'est un spécialiste du Moyen-Orient et de l'Afrique. On a passé des soirées à se disputer, à discuter sur la Palestine, Israël, l'islamisme. Et là, tout d'un coup, il ne me reconnaît pas. Je ne comprends pas son attitude. Il doit avoir ses raisons. Il vaut mieux l'oublier. L'oublier? Il est dans un sale état. C'est le moins qu'on puisse dire. Laurence, qu'est-ce que tu as? Tu es toute retournée? Mais non, c'est parce qu'il fait trop chaud. Oui, tu as raison, il fait chaud. Doucement, doucement, tu vas réveiller les voisins. Ta serrure coince. C'est plutôt l'alcool que tu as bu qui coince. Allez, rentre. Fais-toi, tu m'as fait rater les meilleurs moments du film. C'est pas possible de boire autant d'alcool tous les soirs. C'est pas possible. C'est haram, haram. Tu esquintes ta santé. Lève-toi, mon Dieu. Mon Dieu, le film va se terminer et je n'aurai rien compris. Je ne saurais même pas qui a tué la baronne. Vraiment, Rachid, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Mon Dieu, je suis pas ta mère, je suis pas ta femme.
terminé. Alors, quoi? Merci, Hind. Bonjour, Laurence. Bonjour. C'est bien de manger le matin et surtout le labné. C'est fortifiant. T'as bien dormi? Oui, très bien. C'est magnifique, ce soleil, cette lumière. Écoute, j'ai pas le temps de rester, il faut que je m'en aille. J'ai du travail dans le nord. Je rentre cet après-midi, alors si tu veux, on dîne ensemble, ok? Je vais aller me balader à Hamra. Ma mère veut des images du Blue Note. Ah, le Blue Note. Ce n'est plus ce que c'était. Mais je t'y emmènerai, je te promets. Et au café Raouda? Ya Hayati alayki, ya Hayati. Attention, je vais tourner par là peut-être. Yallah, habibi, t'mashi hona. Fakir j'ai al tamar yada m'a wadda'o. C'est dans la descente de Bchara. Bchara Khouri, oui, oui, je connais bien. Et c'est à gauche, au bout de la rue. Juste avant le falafel Sahayou. Ah, d'accord. Tu vois? Ah oui, allez-y, allez-y, allez-y. Hey, salut. Elle est belle, hein? Oh là là, oh là là. Hey, fuck you, son of a bitch, what are you fucking doing, fucking cocksucker? Vous avez vu cet imbécile des Saoudiens? Conduise comme deux pieds. Voilà. On va être là-bas dans 10 minutes, ne vous inquiétez pas. Okay. Bonjour, mademoiselle. Vous vous souvenez de moi? Je suis venue hier. J'ai parlé avec un homme qui était assis là-bas au comptoir. Rachid. Oui, Rachid. J'ai besoin de lui parler. Vous savez où il est par hasard? Il doit être à l'imprimerie. Quelle imprimerie? À son travail. Vous connaissez l'adresse? Pourquoi vous les cherchez? Oh, c'est personnel et amical. Je ne connais pas, mais je connais l'hôtel où l'habite. Hôtel Régis, à Aïn Mraissi. Attendez, il est coincé. Vous habitez dans cet hôtel, demoiselle? Non, je veux voir quelqu'un. Ah bon? Je me disais avec tous les palaces de la cité. Vous m'attendez? Je vous attends 5 minutes. If you don't show up, I'm coming to look after you. Beautiful lady. Ah. Y a quelqu'un? C'est pour un renseignement. Bonjour.
bonjour, mademoiselle. C'est pour une chambre? Non, je suis une amie de Rachid, l'Algérien. Ah, une amie de Rachid. Il est au boulot à cette heure-ci. Oui, mais il a oublié de me donner l'adresse de l'imprimerie. Najwa, t'as fait un mail matba avant de faire un Rachid? Matba est Jalid et Diwan, à la Sahet Ali Pasha. Ali Pasha? La place Ali Pasha. C'est au bout de l'avenue Chiyer, dans la banlieue sud. Très facile à trouver. C'est vrai que vous êtes une amie de Rachid? Bien sûr. On se connaît d'Alger. Parce qu'en principe, on ne doit pas dire où il travaille. Avec ce qui se passe là-bas, il faut être prudent. بس عم تعمل ساعات إضافية؟ ما تبلش رح بلش وضلني عدت أشبع حكيت مع عمي وأول ما نتجوز حنرجع على جنوب مش وارد أترك بيروت فقت من ملياش أضطر أرض بعد الأزايف نجوى أرضنا مش هون أرضنا هونيك مش بمدينة الفسخ والمزون هيدي أرضنا بالجنوب يا نجوى لما نزلت الغنية عم بتتعبني هشام عن جد عم تعبيك؟ شو كنت عم تعمل هيدي الروسية هون؟ هي روسية بتعرفي كثير منيح عن مين عم بحكي عن هيدي العيرة الداعرة اللي اجت قبل شوي كنا عم بتفتش عقودة بعدين صار لك ساعة هون شو ما عندك شي تعمله؟ ما عندي شي اعمله بعمل اللي بدي اياه وبعدين هالاوتيل لازم تبلش تنسيليه مع هالشراميط اللي بفوتوا ويطلعوا كل شوي شو عم تحكي؟ بحكي اللي بدي اياه ومعلمتك اللي مكياجي مثل مثل شلقات المعلمتين منى مرة إدمية منى مرة إدمية ايه إدمية إدمية لو كانت إدمية كانت انضبت ببيتها صراحة ما عندك شي تعمله غير ما تقلي كل هالحكي اللي بلا تعمل لو عمك بيعرف شو عم تحكي كان من زمان قبرك كنت بالقبر من زمان ايه بس عمي ما بيعرف اكيد انت ما رح تقله ما بتعرفني هشام انا مجنونة اسكتي مجنونة انا مجنونة مجنونة على الاخر بتعرفني اذا بدي بقتل حالي عم بقلك اسكتي كل العالم بيعرفوا انك بتشتغل عند الخياطة بقتل حالي عم بقلك اسكتي نجوى اسكتي بكره بنتجوز وبنروح عند الخياطة وبنجيب اولاد ونصير مبسوطين وكل شيء بيصير منيح نجوى بحبك نجوى C'était vraiment incroyable. Mais pourquoi tu m'as joué cette comédie? Parce que... j'avais pas envie que tu me parles. Ouais, j'ai bien vu. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu fais à Beyrouth? Je bosse. J'ai fui l'Algérie comme beaucoup. Ça, je l'avais compris. Mais pourquoi Beyrouth? L'imprimerie appartient à un ami, un ancien journaliste. Tu écris pour eux? Non, tu as bien vu. Je bricole sur la rotative. Ça me permet de survivre. Tu sais, quand les attentats contre les journalistes ont commencé, je t'ai écrit une lettre.
j'ai appris la mort de Lies. Ça m'a bouleversée. Chouma, elle est crachée. Même ce soir, t'as pas pu t'empêcher d'aller au bar. J'ai plus la mémoire de Lies, alors tu me lâches avec ta morale de jésuite. Sinon, je me barre tout de suite. Khlas, Roy, khlas. Je m'excuse. J'en ai marre de ces cérémonies macabres. On se voit plus qu'à des enterrements. J'irai pas au cimetière. Moi non plus. Sinon, je pourrais pas m'empêcher de foutre une baffe au ministre qui viendra faire son discours hypocrite. Après la mort de Lies, j'ai trouvé que tout était dérisoire. Le journal qu'on avait fondé, les reportages, le pays qui s'embrasait. C'est là que j'ai commencé à penser au départ, à la fuite. J'en ai parlé à ma femme, elle milite dans une association. En ce qui la concernait, elle pensait que c'était de la lâcheté pure de vouloir partir. Arrête, ne dis pas ça. C'est normal de se protéger. C'est ma chanson préférée avant de quitter Beyrouth. Je la chantais tout le temps, mon père m'avait offert le disque. C'est bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça prévient. مش انه اني خطيبك بحبك وبلحقك تحميكي ودافع عنك. طيب طيب بشرني بس تعودت على الشغل. وحي القران وحي القران انه لما نتجوز حتبطلي لي هالشغل هيدا. لما نتجوز اعمل اللي بدك اياه. كون أكيد أنا مش راجعة لهونيك. أنا مش راجعة لهونيك. حياتي. يو باسترد، أنت مضلة شغلة بول. أوه. أتريبولي؟ نو. جو بوغي با فينيغ. شو بدي روح أعمل هونيك؟ خبرة و. جو بيان سي. صباح الخير. سكوند. نجوى. نعم. اعملي معروف طلعي واعي لي رشيد لانه راح يتاخر على شغله.
تأخر وخلص. يلا حشت بلادي. يلا يلا. Amour de mon cœur, t'es toujours là. Tu me proposes très poli au niveau. Estes Rachid? Estes Rachid, il est 9h. Il faut vous réveiller. Mishmaoul, vous êtes sourd? Réveillez-vous. Quoi? C'est pas bien de dormir beaucoup. Ça sent très fort le vin ici. Pourquoi tu cries comme ça? Tu peux pas parler normalement. Pardon. Vous voulez du café? Non, je le prendrai dehors. Tu me passes mes cigarettes à la poche de la chemise. Ça aussi, ce n'est pas bien. Surtout quand le ventre, il est vide. Ma chambre plus tard. Tu veux une cigarette? Aussi. Je vais la fumer après le travail. Bonne journée, fillette. Mon problème, c'est que je me sens étrangère. Je vois tout comme une Française. Je suis ahurie par ce que je vois. Toutes ces destructions, tout ce qui s'est passé ici. J'avais le même sentiment à Sarajevo. C'est un vrai gâchis. Ça fait longtemps que tu es ici? 2 jours. Tu viens d'arriver. Mais je m'aperçois que ce séjour m'angoisse. Pourquoi? Parce que je suis là comme une idiote à sillonner les rues avec ma caméra à la recherche du souvenir de mon père. Alors que ma mère est à Paris en train de mourir. Alors que je devrais être avec elle. Tu crois que je peux filmer? Le soldat inconnu, oui. Pourquoi? Bien sûr. Tu repars quand? Le plus vite possible. Faut que je visite Baalbek. Baalbek? Ouais, encore une histoire de famille. Mes parents passaient leur lune de miel là-bas. Je veux filmer les vestiges romains et l'hôtel Palmyra. Et pas que tu ailles seule à Baalbek. Samy, l'ami de mon père, va certainement venir avec moi. Si tu veux, pendant le week-end, je peux t'accompagner. C'est vrai? Florence, vous avez un téléphone de Paris. C'est un monsieur. Allô? Ah, bonjour, Christophe. Non, non, ça va. Oui, je me sens bien. Pourquoi tu voudrais que je me sente mal? Quoi? Ma voix est tout à fait normale. C'est quoi encore ce plan? Arrête, s'il te plaît. Tu vas pas recommencer l'interrogatoire. Mais t'as vraiment rien compris? C'est fini, fini, terminé. Christophe, s'il te plaît, arrête ou je raccroche. Non, je veux pas que tu viennes. Écoute, c'est mieux comme ça. Allô? Ah, c'est toi, Laurence. Bien, et toi? Demain? Mais tu préfères pas qu'on attende le week-end? C'est quoi ça? Tu vas où? J'ai entendu. J'accompagne un ami à Baalbek. Lek, Rachid. Voilà. Attends, attends. Écoute. Les tirages seront prêts ce soir. Moi, je reste un peu plus tard. Et je boucle tout. Tu ne crois pas que tu dépasses tous les limites? Mais quelles limites? Qu'est-ce que tu racontes? Tu viens travailler quand ça t'arrange. Mais qu'est-ce que tu fais de tes absences? Quand tu veux! Eh bien, t'es prévenu. Je dois l'accompagner. Accompagne-la et profites-en pour chercher un autre boulot. C'est pas une mauvaise idée. Ne crois pas que je plaisante. C'est l'affaire de ma vie.
fallait voir comment je l'emballais, moi. La semaine prochaine, elle me présente à son père. Un gros industriel. Mais attention, faut que je joue serré. Pas de faux pas. Une vraie partie d'échecs. Je lui dis, les investissements d'avenir en ce moment, c'est le Liban et l'Afrique du Sud. Y a pas photo. C'est ce que je me suis tué à expliquer à mes connards de potes du Val Fleury. Mais eux, préfèrent continuer à végéter sous les tours. Allô ? Ellie ? Qui est folle ? D'ailleurs, ils l'ont dit la dernière fois à la télé. Il faut que les jeunes Français aillent bosser ailleurs. C'est ça l'avenir. Samuel Khawa, il faut qu'on reste vigilant. Vigilant mais calme. Maintenant, on sait ce qu'ils veulent. Ils veulent nous déstabiliser, pousser à la panique, au découragement. Si vous êtes d'accord, je propose que demain le journal ne paraisse pas. Mais après-demain, il faut que le travail reprenne. Et surtout les grands reportages. Asma Rachid. Est-ce que tu as besoin de notre coéquipier pour continuer l'enquête que tu as commencée avec Lies? Non, non, sir. Je continue seul. J'imagine tous les meubles tels que je les ai laissés. Les bouquins, les plantes sur le balcon, même les rangements de la cuisine. Mais il y a des jours où je me dis que tout ça, c'est des choses que je reverrai plus jamais. Mais t'es resté en contact avec ta femme? Oui. Mais il y a le téléphone, tu sais, c'est... On ne sait plus trop quoi se dire. Elle parle des morts, de la vie chère, du manque d'eau, de la routine d'Alger. Moi, je l'appelle chaque fois qu'il y a une voiture piégée, un massacre, un assassinat. Pour me rassurer qu'il n'y a aucun de nos proches parmi les victimes. Et elle vit toute seule chez vous? Non. Après mon départ, elle est allée chez ses parents. C'est mieux comme ça. Et... Vous avez des enfants? Non. Heureusement. Il y a beaucoup de poussière sur la route. Je crois que je suis venue ici avec mes parents. Mais je me souviens plus du tout. Laurence, tu te rappelles l'après-midi aux ruines de Tipaza? Oui, bien sûr. Et de l'escale dans le petit port au retour. La madrague. Mmh. Et le restaurant, c'était quoi déjà? Chez Sauveur. Il existe toujours? Oui, pareil, oui. Il y avait de la terre jusque-là, avant qu'ils fassent les fouilles. Ça couvrait tout. Ah, d'accord. Tiens, tu vois là-haut, des grappes de raisin. Eh oui, on est bien au temple de Bacchus. Venir en France. Pourquoi? Parce que je sens
Tu vas mal et que t'as rien à faire ici. Je suis très bien. Et qu'est-ce que ça changerait pour moi d'être en France? Ben, je pourrais t'aider. Je m'en voudrais si t'arrivait quelque chose. Tu n'es pas responsable de mes problèmes. Je sais. Mais je pourrais essayer de t'obtenir un visa. Ça m'y connaît pas mal de monde ici. J'ai pas besoin de visa. L'hôtel a 120 ans. Mes parents passaient leur lune de miel ici. J'ai peut-être été conçue ici. Bonjour. Allô, Sarah. Bonjour. Vous avez des chambres? Des chambres? Il n'y a que ça. Depuis l'arrêt du festival, je n'ai presque plus vu de touristes. On peut choisir celle qu'on veut, alors? Oui. Mais moi, je vous conseillerais la chambre 26. C'est celle qui donne sur le temple de Jupiter, sur les colonnes. Vous verrez, au lever du soleil, c'est magnifique. C'est-à-dire, on veut deux chambres. Deux chambres, d'accord. Je croyais... Vous servez toujours? Vous avez encore faim? Non, j'ai envie de boire. J'ai tout ce qu'il faut. Attendez-moi au salon. C'est dur, les insomnies, hein? La chaleur. La chaleur, les soucis. Elle est très belle, votre amie. Je crois que vous n'avez pas vu Baalbek du temps du festival. Non. Ça, c'était Baalbek. Qu'est-ce que vous avez vu là? Des ruines? Des colonnes? C'est vide, il n'y a personne. Vous avez vu quelqu'un? Il y a juste les fonctionnaires à la porte. C'est pas ça, Baalbek. Qui ça intéresse Baalbek aujourd'hui? Des touristes, il n'y en a pas. Et les gens d'ici, ils sont nés, ils ont vu Baalbek. Depuis qu'ils sont petits, ils passent, ils la regardent. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous savez, du temps du festival qui venait à Baalbek, tout Beyrouth, les ministres, les députés, des gens venaient de l'extérieur, il y avait des troupes, de la musique, du ballet, tout ce que vous vouliez. Je me rappelle, en 68, moi j'étais à Baalbek. Et il y a eu le premier homme sur la Lune. Et ils ont dit ça sur le microphone. Il y a un poète qui a récité un poème. Je vous dérange pas?
Non, pas du tout. Vous voulez prendre un verre avec nous? Non, merci. Bon, alors je vous laisse. J'étais sûre de te trouver là. Tu es sûre que tu veux rien boire? J'aime pas le whisky. Il y a autre chose. J'ai eu une période difficile après un reportage en Somalie. Je n'arrivais pas à m'endormir sans boire. L'homme avec qui je vivais n'a pas supporté. J'espère que je t'ai pas dérangé. Mais non. Ne t'inquiète pas, maman. Non, non, c'est très calme ici. Demain matin, on rentre. Oui, je te le promets. Tu sais, je suis dans la chambre 26. J'en étais sûre. Je t'adore. Bon, bonne nuit, maman. J'espère que je t'ai pas trop dérangée. Oui, soigne-toi bien. Maintenant? Je ne sais pas. Moi non plus. شو بدك بالموضوع؟ خليه علي الموضوع كله. ايه لا ايه خلص اعطيني بعض. صفار رشيد. Pas mal. Tu as préparé ma paye? Tu peux rester. Ce que je te demande, c'est juste d'être plus sérieux dans le travail. Je te comprends, mais j'arrête. Tu n'aimes pas qu'on te dise la vérité, hein? Quand tu bossais à Alger, on ne te faisait pas la morale. Oui, mais moi, je ne passais pas mon temps à me saouler.
Je me battais pour une cause. Écoute, Rafik, tu le sais depuis longtemps qu'on n'est pas pareil, toi et moi. J'ai pas l'âme d'un militant, et puis j'ai pas envie d'être comme toi, un exilé à perpétuité. Ok, ok. Je vais préparer ta paye. Moi qui devais mourir ce jour-là. Je devais traverser le premier. Ton père a essayé de m'en empêcher. Mais comme j'insistais, on a tiré ça à pile ou face, comme des enfants. À pile ou face? Ouais. C'était vraiment bête. On était sûr qu'il n'y avait pas de sniper ce jour-là. Pourtant, il était là. Une seule balle a suffi. On a mis 2 heures à ramener le corps de ton père. Le franc-tireur qui l'a tué était un pharmacien qui était devenu fou après l'assassinat de ses 2 fils. Il s'était mis comme ça à faire des cartons au hasard pendant 2 mois jusqu'à ce qu'on l'abatte. Mon père était militant. Il a été tué en se battant. Ma mère me l'a toujours dit. Soumaïa a toujours cru ce qu'elle voulait croire, tu sais. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'ami de Rachid? Oui. Je vous ai croisé quand vous êtes sorti du Dur du Rhin. Vous êtes algérien, vous aussi? D'origine. Je suis français. Vous êtes en vacances? Ah non, moi, les vacances, je ne connais pas. Je suis ici en voyage d'affaires. C'est bien. Rachid m'a dit que vous êtes journaliste. Vous devriez faire un reportage sur les beurs dynamiques qui investissent à l'étranger. Ça doit être passionnant. C'était bien, Balbec? Oui. Vous connaissez bien Rachid? On picole ensemble le soir. On est dans le même hôtel. Bon, c'est pas qu'il est mal ici. Je pense qu'il y a quelque chose qui lui mine le cerveau. L'Algérie? Pas seulement. Quelque chose de personnel. Vous en avez parlé? J'en ai pas l'air, mais je suis pas moi. Je sais quand quelqu'un rumine du noir. Bon, ben, il y a Mimi qui se pointe. La fiancée. C'est pas le moment qu'elle me fasse un délire de jalousie. Ciao. Saouler ce soir. Mademoiselle, vous voulez quelque chose? Non. On s'en va. Tu vas rester muet longtemps? J'ai rien à dire. T'es fâché parce que je suis venue te chercher? Mais non, je suis pas fâché. C'est pas un endroit pour toi. Tu préfères qu'on nous voie pas ensemble? Arrête de te faire des idées. J'attendais ton coup de fil. Tu
t'excuseras le désordre. Réveiller la gérante. Attends. Ouais, vas-y, casse la baraque, c'est bon, il n'y a pas assez de ruines ici. Ouais, c'est bon. Bonsoir. C'est Laurence, une amie. On se connaît. On a passé la soirée ensemble. Voilà. On te racontera parce que moi j'ai besoin de répit. C'est toi, le chiffre ? Non, c'est Ossine. T'as bien refermé la porte ? Oui, je l'ai refermé, y a pas de problème. Tu sais que tu es avec la chiffre et qu'il y a une femme avec vous. Installe-toi. Tu veux un verre? J'ai du vin, non? Je vais me passer un peu d'eau sur le visage. Il a l'air de bien se débrouiller, ton ami Ossine. Tu fréquentes la haute société. Je me suis jamais trop intéressé à ce qu'il fait. Quel gâchis. C'était tellement proche. C'est les dernières photos. Bon, en attendant, je dois trouver un autre boulot. Ah bon? Oui, je suis viré de l'imprimerie. Manque d'assiduité. Tu vois, la solution pour toi, c'est d'aller en France. La solution pour moi. Souvent dans cette rue. Par les carcasses d'immeubles, on se croirait à Alger. Regarde ça. On voit bien l'acharnement, la rage qu'ils ont mis à se détruire. Regarde autour des fenêtres. Ils ont tiré des milliers de balles ici. T'as demandé de filmer des ruines? Non. تفضل. عاوز شي غيره؟ شكرا. C'est la première fois que je te vois rire. Ça me rappelle une histoire de frigo qu'on raconte à Alger. Ah bon? Une histoire drôle? Si on veut.
C'est l'histoire de trois hommes qui viennent de mourir et qui arrivent au paradis, et comme c'est archi plein, le portier leur dit, je laisse entrer qu'un seul. Celui qui aura eu la mort la plus fantastique. Le premier commence à raconter son histoire. Moi, j'étais marié, j'avais des doutes sur ma femme, j'ai fait semblant de sortir, et je suis revenu. J'ai fouillé l'appartement, rien. J'ouvre la fenêtre, qu'est-ce que je vois accroché au bord de la fenêtre? C'était son amour. Foudrage, je lui écrase les doigts, mais lui, rien, il s'accrochait. Je vais chercher une hache, et je lui coupe les doigts. C'est semblant. Il lâche prise, il tombe, et atterrit sur un arbre. Je le voyais bien qu'il bougeait encore. Alors je vais chercher le gros frigo de la cuisine et je lui ai balancé dessus. Ça l'a écrasé comme un cafard. Alors, honteux d'avoir été trompé, je me suis tiré une balle dans la tête. Et voilà comment je suis mort. Le portier demande au deuxième de raconter son histoire. Moi, je venais d'arriver dans un immeuble, j'arrosais mes plantes, j'ai fait un faux mouvement, j'ai basculé par le balcon. Dans ma chute, j'ai réussi à m'accrocher à une fenêtre. Et un homme, pris d'une fureur incompréhensible, s'est mis à me frapper. Et il m'a coupé les doigts avec une hache. C'est horrible. Je suis tombé. Heureusement, un arbre a amorti ma chute. L'espèce de dingue m'a balancé un frigo qui m'a écrasé comme un cafard. Et le troisième? Alors justement, le troisième, le portier lui demande de raconter son histoire. Moi, j'ai eu la mort la plus fantastique. J'étais tranquillement assis, dans un frigo, à attendre que le mari de ma maîtresse s'en aille, quand j'ai senti que le frigo faisait une chute de 10 étages. Et lequel est entré au paradis? Je sais pas. De toute façon, tout le monde nous utilise, tout le monde nous en veut. Peut-être que nous sommes des intrus. Des gens arrogants qui apparaissent et disparaissent en emportant un bout de vie des autres. Quand je vois à la télé des reportages sur les guerres avec les envoyés spéciaux qui sont là en direct face à la caméra, placés dans des décors d'horreur, il y a chagrin, la mort présente. Et eux qui parlent, qui analysent. Puis ensuite, qui fument une cigarette. Qui prennent une douche à l'hôtel, qui vont au restaurant. Qui téléphonent à leur femme, leur mari. Je me dis que ça se veut neutre, mais c'est pas si innocent. T'as encore raté ta moustache. On verra combien d'autres personnes le remarqueront. Et tu crois qu'il existe quelqu'un d'autre qui pourra te regarder avec autant d'amour que moi? Je devine quand il te manque un seul poil. Et c'est à cause de ces lames de Taïwan. L'impression qu'elle dévie sur la mousse, c'est plus du rasage, c'est du ski. Tu rentres à midi? Non, je mange avec Rachid. Je préférerais que tu t'occupes de la rubrique de foot ou des mots croisés. Ce soir, je te raconte tout. Confidence sur l'oreiller. Un coup fumant.
Une affaire de corruption, du sensationnel pour un journal indépendant. Tu crois qu'il est vraiment indépendant, votre journal? Je te dis que ce sera un coup fumant. Avec Rachid, on a préparé un dossier en béton. Sois prudent. C'est toujours pareil avec vous. Quand vous êtes sur un coup fumant, le résultat, c'est qu'on ne lit rien. Parfois, il faut s'adapter. Mais cette fois-ci, je te promets qu'on va jusqu'au bout. On a des infos de première main. Ah, salut, toi. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens pas bien. Je vais parler au journal, m'attends pas. Quoi, t'as encore abusé? Non. Non, j'ai passé une mauvaise nuit. Et c'est quand même de venir pour la réunion, c'est cet après-midi, hein? Tu entres? Non. Je vais me coucher. Rachid, calme-toi. Calme-toi. Je suis là. Je suis là. Vous réveillez tôt ce matin, c'est bien. Tu fais pas ma chambre, il y a une femme qui dort. Une femme? Oui, une femme. Je suis un homme et il y a une femme dans ma chambre. C'est un miracle? Non, je comprends. Ouais. Tu la réveilles vers 11h avec un bon café. D'accord, monsieur. Vous n'avez pas une cigarette? Bien sûr. Merci. Salut, fillette. Tu sais qu'il y a une femme chez Rachid? Ah ouais? Oui. Une Française. Elle est venue le chercher l'autre jour. Tant mieux pour lui. Ça lui fera du bien. Cela moi triste. T'as entendu l'explosion qu'il y a eu hier soir? Non. C'est une paire de nichons siliconés qui a éclaté au Sporting Club. Je n'ai pas compris. C'est pas grave. Comment tu trouves mon parfum? Ça sent bon. Paco Rabanne. Paris. Mais non, tu es fou, rends-le-moi. C'est ça. Je suis fou.
comprends pas que tu caches des cheveux comme ça. Ils sont beaux, tes cheveux. What if? T'es bien foutu, hein? Jawas, je veux me marier. Moi aussi. What the fuck, Sin? La haram. Mais non. Allah nous voit. T'inquiète pas, il est occupé ailleurs. Tu sens bon. Tu sais que je suis majnoune. Moi aussi. توصفه مثل حشر على راسي بعدين اجى عيسى طلعني من البيت وقعدنا رح يخدنا على هناك بعيد غير بلد رح ينسينا الأزايف والناس اللي عم بيحترقوا قال لي رح يخدنا على بعيد ونسافر ونسينا لبنان ما تقدر بعد في حشر براسي. Je comprends rien à ce que tu racontes. Madame, il est 11h. Bonjour. Bonjour. Où est Rachid? Rachid, il est parti au travail. J'ai cherché du labneh, du café et du miel. Merci. Oui, il n'y a plus de bouteilles ici. Tu peux me passer un t-shirt? Tu t'appelles comment? Najwa. Moi, c'est Laurence. Tu es française? Oui. Et libanaise aussi. On dirait pas. Ça fait rien si je fume? Pas de problème. Tu es vraiment libanaise? Oui. Enfin, ma grand-mère était française. Elle s'est mariée à Byblos. Moi, je suis de Nabatieh du Sud. Mes parents, ils sont morts dans un bombardement. Tous. Mes frères, mes sœurs. Sans Hicham, moi, je ne pouvais plus vivre. C'est ton fiancé? Oui. Mon cousin aussi. Il m'aime et il me protège. Il sait que je suis folle. Ah bon? Tu es folle? Oui. Sinon, je ne pouvais pas travailler ici. Comme une Philippine ou une Sri Lankaise. Pourquoi pas? Tu ne peux pas comprendre. Je suis une femme. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Comme je suis folle, je fais ce que je veux. Je peux pleurer maintenant si je veux. Tu vas pas pleurer. De la joie dans la maison. Tu prépares un récital? C'est un jour béni. J'ai écouté mon horoscope à la radio. Il va m'arriver que des bonnes choses aujourd'hui. Ce serait bien si tu pensais à payer ta chambre. Tu as 43 jours de retard. Je sais, je sais. Mais faut me faire confiance, je suis sur la bonne piste. Mon business se met en place. D'ailleurs, tu connaîtrais pas un resto chic mais pas cher au bord de la mer? Tu exagères un peu, non? C'est pour Mimi. Il faut que je sorte le grand jeu. Je lui balance Roméo et Juliette en trois actes et hop, c'est gagné. Va à la rascasse de Beyrouth. C'est sur la corniche. Je connais le patron, Pierre. On était dans la même milice. Tu lui demandes la table au fond de la cour, sur la pergola. Et tu lui dis qu'il te mette la chanson de Julio. C'est comme ça qu'elle m'a baratiné à l'époque. Merci du tuyau. Bon, faut que je me grouille parce que j'ai trop traîné ce matin. Bonne journée, mon amour. Ciao. Tu pleures vraiment? Khalas. Ma tête qui... شو بتريد؟ بدي اشوف نجوى
هلا عم تشتغل بتشوفها يخلي الدوام اسي بدي اشوف نجوى اذا بتطلع على الاوض بتصل للبوليس روح عند ابي نجوى هون دلع هون نجوى نجوى اذا عم بتدخني كمان طلع برا روح من هون طلع برا هلا عم بدك طلع برا يا كلبي يا كلبي واحد مجنون طالب يا كفرة خلاص لا لا برا بقول لك يا كفرة هيك مبسوطة بين الشراميط نجوى ما حنتجوز يا نجوى ما حن ما تعرف صرموطة لا لا برا صرموطة عني نجوى مالوروز مش مبسوطة عم تفهم هيك القرآن قسما عظما ما رح نتجوز يا نجوى عني عم تفهم طب عليك كلمة مو عليك الشرطة الله يلعنكم الله يخلكم ويحرقكم كلكم بنار جهنم واحد مجنون هيدا هيدا خطيبك واحد مجنون ما بقى بدي اياه يدعس بالاوتيل فهمي فوالا جي في كونيسونس افيك تون فيانسي سي فريمون لا باسيون اي تادور مي فورا با تلاسي فير Dans le fond, il doit pas être méchant. Je m'étais juré de ne plus revenir. Ça a été plus fort que moi. Les premiers jours ici, je les ai passés à marcher. Marcher dans des rues que je ne reconnaissais pas. Des ruines, rien que des ruines. C'est drôle. Quand j'étais gosse, je croyais que ça faisait 10 étages. Ma mère s'est toujours demandé pourquoi tu n'es jamais venu nous voir à Paris. Je sais pas. L'occasion ne s'est pas présentée, voilà, c'est tout. Tu ne voulais plus nous voir ? Peut-être. Je sais pas, mais tu sais... Après la mort de ton père, c'était... Qui était ton meilleur ami ? Pourquoi tu me dis ça ? Parce que tu ne prononces jamais son nom. Excuse-moi, mais... Laurence, il y a des choses que tu ne comprends pas. Et tu es partie quand tu avais 5 ans... Tony, ton père et moi, nous étions les meilleurs amis du monde. Ensemble, nous avons connu ta mère. Ouais. On s'aimait, même si on était de milieux différents. On se posait pas trop de questions, c'était comme ça. On était bien ensemble, c'est tout. Tu sais, c'est aujourd'hui qu'on nous a mis dans la tête toutes ces histoires de chrétiens, musulmans, chiites, sunnites, maronites... C'est peut-être ça qui a détruit le pays, tu vois. Viens. Pourquoi t'es pas venu nous voir à Paris ? Tu n'en démords pas, tu sais ce que tu veux, toi. Eh bien, parce que... ta mère a choisi ton père. Ouais. Tu l'aimais ? Ouais. Après la mort de Tony... Je ne voulais pas jouer le remplaçant. Mais il faut quand même que tu viennes la voir. Maintenant. Non. Ce sera trop difficile pour moi. Tu me filmeras et puis je lui parlerai. Tu sais, Sam. Quand j'ai vu la tombe de mon père abandonnée, ça m'a fait mal. Pardonne-moi. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes subitement comme ça. Mais je te promets que je ferai quelque chose la prochaine fois. Tu t'en occuperas ? Ouais. Rachid, il faut qu'on parte. Quelqu'un doit me donner une réponse pour ton visa. Pour mon visa ? Oui. Il faut préparer ton passeport et des photos. J'ai un très bon contact à l'ambassade de France. Attends, Laurence, je crois que tu comprends pas. Je veux pas de visa. J'irai pas en France.
Je veux pas ressembler à tous ces médiocres qui ont fait du malheur de l'Algérie un fonds de commerce, qui pleurnichent sur les plateaux des télés européennes, qui mendient la solidarité, qui magouillent, qui mentent, qui nous font honte. Je veux pas. Arrête tes discours. Tu préfères continuer à végéter ici ? Laurence, ne gâche pas tout. Mais c'est toi qui gâches tout. J'ai l'impression que notre rencontre, ce qui se passe entre nous, c'est qu'un détail pour toi. Non, tu te trompes. Notre rencontre a déclenché quelque chose de très important pour moi. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Bah, tu pourras réfléchir en France. S'il te plaît. Explique-moi. Explique-moi, je comprends pas. Tu quittes Alger pour fuir la violence des intégristes. Et tu viens ici, à Beyrouth, où s'accroupent de meutes du Hezbollah, qui sont armés, qui contrôlent les banlieues. Ça ne te pose aucun problème? Aucun. D'abord, à Alger, il n'y a pas que la violence des intégristes. Et puis ici, tu devrais le savoir, toi qui es journaliste, même si tu t'es jamais vraiment intéressé à la situation du Liban, que le Hezbollah est considéré par toute la population comme un mouvement de résistance contre l'occupation du Sud. Alors, fais pas d'amalgame simpliste. Et quand il n'y aura plus d'occupation, ils s'occuperont de toi. C'est normal. Comme en Algérie, au Soudan, en Égypte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi tu veux rester ici. Tu comprends pas. Tu veux pas comprendre. Au contraire, je comprends trop bien. Qu'est-ce que tu fais? Je te laisse réfléchir et te saouler pour régler tes problèmes. Rachid, allez. C'est bien les disputes d'amour. C'est comme le ciment pour tenir les briques, hein? Je vais plutôt me chercher un whisky. Tout de suite. Avec ou sans glace? Sec. Son fiancé est parti. C'est tout? Un bon débarras? Arrête, Hossein. Il est parti dans le sud, Liban. Tu crois qu'il a assez de couilles pour aller se faire exploser là-bas? Monte dans ta chambre, te préparer, on va être en retard. Mais putain, foutu comme elle est, elle aura pas de mal à trouver un mec. En plus, un friqué. Allez, dégage, connard. C'est ça, je vous laisse avec votre thérapie de groupe. Faites-moi chier. Rachid, tu peux surveiller l'hôtel, je vais l'amener chez elle. D'accord, mais tu fais vite. Portez-vous bien. Merci. À bientôt, donc.
Bonjour, belle journée. Journée de malheur. Qu'est-ce qui se passe? Rachid est parti. Parti? Mais nous sommes dimanche, il ne travaille pas. Il est parti en Algérie. Il a quitté l'hôtel depuis 2 heures. Il vous a laissé ça. Laurence, ce qui m'arrive n'est pas simple, pas facile. Je t'ai menti. Je n'ai pas quitté l'Algérie simplement parce que mon ami Lies a été assassiné. J'ai fui pour oublier, par dégoût de moi-même, de mon acte, parce que je suis complice de sa mort. Un mois avant l'attentat, des hommes armés m'ont contacté. Ils me connaissaient et savaient tout ce qui se passait au journal. Ils m'ont fait comprendre que s'ils le voulaient, ils pouvaient m'abattre immédiatement. Mais ce n'était pas moi qui les intéressais. Leur objectif, c'était éliminer Lies à cause de ses éditoriaux, de ses articles. Moi, je ne valais rien à leurs yeux. Ils avaient raison. Depuis les débuts du terrorisme, j'étais incapable d'écrire un véritable article. Du matin au soir, la peur me tenaillait le ventre. Seul l'alcool me permettait de tenir le coup. Lies faisait tout pour me protéger. Il cachait ma faiblesse. J'avais l'impression que l'homme qui me parlait savait tout ça. Il voulait que je collabore avec eux. Il ne pouvait se permettre de rater l'attentat. Je n'avais aucun choix. Il menaçait de tuer ma femme avant de me liquider. J'ai été tétanisé par la peur. Pourtant, au fond de moi-même, je vivais une étrange sensation de plaisir. Sans me l'avouer vraiment, je souhaitais la mort de Lies. Depuis que nous travaillions ensemble, je n'arrivais pas à supporter qu'il soit plus fort, plus intelligent que moi. J'étais jaloux de sa réussite, de son emprise sur le journal, alors que je sombrais dans la déprime. Je ne savais pas que ça allait être aussi terrible pour moi, que ma vie s'arrêterait à cause de ma lâcheté. Grâce à toi, le courage m'est revenu. Je ne veux plus fuir. Je retourne à Alger. Je ne sais pas ce qui arrivera, mais je m'en fous. Tu es la première à qui j'ose parler de cette histoire. Je t'ai venu demander de me donner son passeport pour le visa. Je t'aime. J'avais tout réglé. Je t'aime trop fort. Nous serions partis à Paris. Ces quelques jours étaient merveilleux. Je l'aurais été oublié. J'aurais aimé pouvoir rester avec toi. Adieu, Laurence. Il est à Alger. C'est vous qui l'avez accompagné? Ouais. Il est complètement fou, retourné là-bas. C'était son idée fixe. On en parlait sans arrêt. Hier, il a précipité les choses. Une bombe a explosé au centre d'Alger. J'ai pas pu le retenir. Moi non plus, j'ai pas pu le retenir. Je vous raccompagne en ville, j'ai ma casse. Enfin, la caisse de Mimi. Non, merci. Je vais rester un peu ici. Adieu. Adieu.
salaud. Oui. Non, je pourrais pas. Non. Non, je pars demain. Je sais pas où. L'enterrement de ma mère m'a vidée. Écoute, tu te débrouilles comme tu veux. Fais comme si j'existais pas. Salut. À l'hôpital, une figure de la presse indépendante qui s'ajoute à la liste déjà longue des journalistes victimes du terrorisme en Algérie.